Salut à vous, bienvenue ici dans ce nouvel épisode du chantier de l'extrême, une rénovation incroyable de A à Z de toute cette maison et on est ensemble ici pour suivre ça. Cette semaine à suivre ici, pas mal de plomberie, je vais te montrer pas mal de trucs, sanitaire, la pose du receveur de douche, tout le coin douche, placo, hydrofuge, tu vas voir aussi à l'extérieur un cache-moineau pour habiller les chevrons, et ouais, il y a un petit peu de tout. L'installation totale d'une VMC, on va découvrir tout ça ensemble, tu vas voir, c'est très intéressant. Je continue les murs extérieurs et je les finis d'ailleurs. Pas mal de plomberie, des petits raccords, je te donne des petits tips. Et enfin, pour finir, je commence les bandes à joints au plafond. Petit point sur les murs en OSB. Dans la dernière vidéo, juste avant, il y a 15 jours, j'ai eu peut-être 25-30 messages pourquoi de l'OSB à l'intérieur. Je l'ai déjà dit, mais du coup, je fais une petite piqûre de rappel, ça m'évite de me répéter. Pour plein de raisons différentes, un et surtout esthétique, économique, pratique, c'est-à-dire que pour mettre la LED de bois entre les montants métalliques de 80, déjà les montants de 80 ils sont beaucoup plus chers que ceux de 45 et c'est pas pratique à rentrer dedans. Moi je me suis dit qu'avec des montants en bois achetés pas cher à ma scierie, eh bien je pouvais adapter exactement la largeur de mes montants à la compression de la laine de bois. Et puis parce que ça casse un peu les codes et j'allais pas faire que du métallique et du placo partout. Donc tous les murs extérieurs de la maison sont avec des montants en bois, de la laine de bois et de l'OSB. Et après ils vont être recouverts, soit parfois de placo mais vraiment que pour la douche, de parements de bois, de plein de choses différentes et variées que tu vas pouvoir suivre ici. Je t'invite à t'abonner, c'est important pour moi, le créateur de contenu. Le travail ici, il est assez dur, mais je l'assume. Mais il y a tout un travail de film, de caméra, de prise de vue et de montage derrière. Et tout ça, c'est beaucoup de boulot. Et je t'assure que si ça te plaît et que tu veux nous remercier, me remercier, n'hésite pas, abonne-toi, c'est important. Mets ton petit pouce en l'air, lâche un commentaire. On adore ça. Je remercie Reolink aujourd'hui qui sponsorise cette vidéo, je les remercie. La maison chez moi est truffée déjà de caméras à eux, je suis content de bosser avec eux. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir la toute dernière sortie de chez eux, c'est celle-là, c'est la Reolink Duo 3. Alors chez moi, dans mon atelier, je te l'ai dit, à l'extérieur de l'atelier, j'ai la Duo 2, c'est déjà la plus folle de toutes les caméras que j'ai, avec ces deux caméras sur le côté, elle te fait une seule vision ultra panoramique qui te donne un angle de malade. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la 3, donc la toute dernière qui a été améliorée. Tu vois ici, elle a deux angles de vision qui en fait te donnent une seule image ultra panoramique et ultra large. Ça veut dire qu'avec une seule, tu peux quasiment surveiller tout ton jardin ou ton extérieur. Ils l'ont amélioré, la qualité de l'image est encore plus folle, la vision de nuit est carrément maintenant en lumière. Et je t'assure que même chez moi en noir et blanc, ça marche très 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 bien. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il existe plusieurs configs. Et justement, celle-là, c'est une config différente de ce que j'ai chez moi. Chez moi, je suis en Wi-Fi et dedans, j'ai une petite carte SD qui enregistre en permanence et qui me permet de visionner tout ça sur mon smartphone. C'est totalement gratuit. Tu as accès à l'application sur ton téléphone. Tu peux regarder de loin, de partout et tu ne payes rien. Tu vois, c'est pas comme les trucs qu'on essaie de te vendre. Ça, c'est le point le plus important pour moi. Et donc, celle-là, je te dis, c'est une config totalement différente. C'est beaucoup plus sécure. Il y a des personnes qui préfèrent ça. Tu vas aller la brancher ici sur un gros disque dur. Celui-là, il fait 2 Tera, je crois. Et non seulement ton disque dur va l'alimenter en énergie, c'est-à-dire qu'elle va être autonome. En plus, l'alimenter avec Internet et enregistrer tout directement sur ton disque dur. Donc en fait, tu n'as qu'un fil à brancher, qui est ici, qui est un RJ45. Tu raccordes tout tes RJ45 que tu tires à ton disque dur et toutes tes caméras sont dessus et tu peux en profiter. Elle est là, elle est belle, elle est de toute beauté. Allez, c'est parti, on y va, il y a du boulot cette semaine. Tu vas voir, c'est une semaine un peu gonflée à la testostérone parce que j'ai rajouté 1 ou 2 jours à cause de la semaine au robot où j'étais pas là. Donc c'est vraiment une grosse semaine pleine de contenu. Allez bien, c'est parti, on y va, go! Les amis, j'en arrive un petit peu là en plomberie, j'ai refait un petit peu de PVC, mais je t'ai pas montré, je t'ai déjà montré dans la vidéo qui était juste avant. Et là, j'en arrive un petit peu, si tu veux, à l'implantation, parce que je voudrais bien reboucher en béton tous les trous qu'il y a ici. Et je voudrais être sûr de pouvoir mettre mon receveur, mon magnifique receveur qui est juste derrière, je te le montre juste après. Donc là, avec mon laser, j'ai ici mon sol fini, ma cloison finie, je veux dire. C'est vraiment où va être mon receveur. Et après, le carrelage va venir mourir sur le receveur. Ici, tu vois, j'ai une dalle qui est vraiment pas chouette, qui est un peu dégueulasse. À mon avis, il y aura pas mal de récupération au ragréage, ce que j'accepte. Par contre, moi, je veux absolument mettre mon receveur avant, c'est-à-dire tout de suite. Et comme ça, tout ce qui va être attrapé en sol, en ragréage, en carrelage, eh ben, ça va venir me l'encaisser, me l'enterrer un peu plus pour qu'il soit quasiment à fleur du sol. On verra à la fin ce que ça donne. Mais en tout cas, ce sera toujours plus joli. Donc ici, j'ai bien tracé avec mon laser en croix la finition, là où va mon receveur. Tout ça, je l'avais déjà vu vraiment auparavant, bien avant
pour installer ma bande ici. Donc c'est parti, on va se le prendre. On va utiliser une colle genre masticole, tu vois, une grosse colle bien pâteuse qui craint rien. Style Sikaflex, voilà, c'est une marque, sauf que moi là c'est du Geberit. Et ensuite on va mettre le receveur qui est juste derrière, tu vas le voir. Et donc là, la bombe de douche, c'est pareil, c'est Geberit comme le receveur. Tu vois, c'est tout fait exprès, ça vient tout bien dedans. Là, ça va aller en dessous. Et ensuite, au-dessus, j'ai juste à visser la partie qui rend étanche, à mettre le petit bouchon, et ça va être nickel. Je te montre tout ça, on le fait ensemble, je vais chercher la colle, et c'est parti. Alors, il est là, le receveur. C'est vraiment une petite merveille. En termes de taille et de fabrication, tu vas voir, c'est Geberit qui fait ça. Il fait 140 par 90. Donc tout est dans la masse. Tu n'as pas de niveau à lui prévoir pour la pente, tu vois. Tout est dedans, tu vas voir de l'autre côté. Donc il y en a qui les scellent avec de la colle à carrelage. Il y a plusieurs façons de les sceller. Nous, on va utiliser ça. Un masticole, c'est un peu spécifique. Hein. De toute façon, je te mets la ref, je te mets toutes les refs dans la description, comme d'hab. Tu pourras trouver la bonde de douche ici qui est vraiment génial, qui est pratique et plate. Le truc et la colle là si tu veux. Tu vois, il faut carrément décapsuler en bas ici là, comme les boîtes de conserve. Tu perces en haut et ensuite tu as une colle qui est flex et tout. Voilà. Donc je vais en appliquer partout, des gros plots quand même, parce qu'après il va falloir que j'arrive à le mettre de niveau, tu vois. Alors c'est parti. Les amis, j'avance tranquillement, tu vois que tous mes tuyaux de PER sont passés, donc ça c'est terminé. Là j'ai un robinet extérieur, là j'ai ma douche, mon WC, là-bas un beau petit paquet de tuyaux qui arrive, et là je suis en train de commencer à mettre l'OSB, j'ai mis ma laine de bois, mon pare-vapeur. Je voulais te parler un tout petit peu de plomberie et t'expliquer 2-3 trucs, je sais que t'aimes ça, donc je te montre. Alors déjà je te laisse apprécier la sortie ici de robinet, qui est une autre marque que celle que t'as vue la semaine dernière dans la vidéo, donc la semaine dernière je t'avais mis un lien dans la vidéo. Et là, je vais t'en mettre une autre pour cette marque-là. C'est toujours sur le même site, hein, Plomberie Pro. Mais ça, c'est 10 fois mieux. Plus facile à mettre en œuvre et moins galère à fixer, tout simplement. Et en plus, tu as une petite rosace de finition. Regarde, ça fait vraiment un truc nickel, peinard. Donc avant, j'étais comme tout le monde. Je sortais mon tuyau de PER, je mettais mon raccord et je raccordais mon tuyau. Surtout quand tu es derrière des meubles, des vases, que tu vois rien. Sauf que quand même, comme ça, ça te fait quand même un petit truc plus propre. Alors justement, donc ça, c'était la marque de la semaine dernière. Et ça, c'est cette marque-là que je connaissais déjà. J'avais utilisé pour les sorties de douche. Donc on va l'utiliser encore pour la douche, tu verras. Et pour le lavabo, cette fois-là, j'ai 2 sorties. Je voulais te parler un tout petit peu de plomberie. Je sais que t'aimes ça, je le vois dans les commentaires, que vous êtes content quand je vous explique des trucs. Donc c'est le moment de vous expliquer 1 ou 2 trucs que je connais. En gros, la plomberie, les raccords. Donc je te l'ai dit, les raccords à glissement pro, j'ai 100% confiance, je n'ai jamais eu une fuite avec la pince là, que tu vas utiliser. Tu vas mettre tes raccords, tu n'as aucun problème, ça ne fuira pas, ok? Donc j'ai confiance, tu peux l'encastrer derrière, il n'y a aucun problème. Ensuite, maintenant, on va commencer à raccorder dans notre plomberie. De temps en temps, on va avoir un robinet à raccorder, un raccord, plusieurs types de choses qu'on va être amené à raccorder avec des pas de vis. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que pour l'étanchéité entre quelque chose comme ça, par exemple un robinet ou un raccord, dans un autre pas de vis ici, eh bien tu as pour moi 2 types d'étanchéité. Soit la première, c'est avec un joint que tu connais très bien. Alors là, c'est pareil. Moi, j'achète plus du tout mes joints dans les bricots du coin. J'achète tout sur ce site-là et c'est des joints pro. Déjà, tu vas voir qu'ils sont... Pour commencer, ça n'a rien à voir. Bah, je ne suis pas sûr que tu le vois à l'image, mais ils sont beaucoup plus épais qu'un joint de pimpin traditionnel. Donc ça, c'est de la bombe. Tu te fais pas chier, tu achètes des gros paquets comme ça. En gros, il existe 3 tailles de raccord. Okay, le plus standard, c'est le 15-21. C'est celui que j'ai dans la main ici, qui va être en gros tous les robinets et tous les raccords. Ensuite, tu en as un qui est un petit peu plus petit, le 12-17, que tu vas encore retrouver sur les WC des toilettes. Donc tu vas en avoir besoin aussi. Il est là.
ça c'est le 15-21, et t'as la taille au-dessus, le 20-27, qui lui va être pour les gros robinets extérieurs ou les raccords, je sais pas moi, du chauffe-eau par exemple, d'autres trucs. Pourquoi ils ont mis des chiffres comme ça, j'en sais rien, c'est certainement à la base il y avait un but et depuis ils n'ont pas changé parce qu'ils ont leur petit code à eux et sont bien contents que tu comprennes rien. En fait c'est très simple, il y a trois tailles, la petite taille 12-17, la taille la plus standard 15-21 et la grande taille 20-27, ok? Achète-toi les trois tailles, t'es tranquille pour toute ta vie, d'accord? Tu vois que cette partie-là, elle est cylindrique, ok? Donc là, tu vois que j'ai la partie femelle à visser et la partie mâle ici. Si je prends mon joint de 12-17, de 15-21, putain, je raconte des conneries, que je le mets au fond comme ça, tu vois, et que je viens serrer la partie femelle dedans comme ça, sans serrer comme un bourrin, tu vois... ici, qui reste un petit peu de pas de vis, et que donc si je serre, ça va mettre en compression ce joint, donc même sans serrer comme un bourrin, avec, à la main et à la fin avec une petite clé quand même, et ben ça va rendre mon raccord étanche, tout simplement. Ça, ça marche, c'est sûr, c'est étanche, t'as aucun problème. Après, t'arrives dans d'autres configs, où tu vas aller visser un raccord dans un autre raccord, et que par exemple, je sais pas moi, n'importe quel autre truc, quand tu visses, voilà, celui-là par exemple, eh bien... ton pas de vis ici, il est trop court et il va pas appuyer sur le fond, il va appuyer sur rien en fait. Ou alors, tout simplement, bah parce qu'au fond, ici, il n'y a pas de collerette au bout, il n'y a pas d'endroit plat et je veux pouvoir arrêter mon robinet où je veux, ok? Donc en gros, pour le mettre ici, je vais utiliser la deuxième technique qui est bien connue des plombiers et des utilisateurs, c'est-à-dire soit du Teflon, très connu, j'ai toujours utilisé ça avant et ça fonctionne, faut juste le mettre dans le bon sens, tu vas voir. Soit la pâte, la filoche et tout ce que tu vois exister en plomberie depuis des milliers d'années. Te prends pas la tête, achète un seul truc, du Teflon, ça marche très très bien si tu le fais proprement. Ou là, carrément, t'as chez Griffon, t'as ça, qui est tout nouveau, que moi je teste là sur chantier, ça marche très très bien. C'est un peu un mélange entre filasse et Teflon et ça fonctionne bien. Donc là, du coup, l'étanchéité, elle va plus se faire par le joint écrasement au bout, mais elle va se faire dans le filetage. Avec ça, ok? Ça a un intérêt extraordinaire parce que là, t'imagines que je visse mon robinet et si j'arrive en compression au bout du joint, imaginons, eh ben, il va pas forcément être dans le bon sens en plus. Alors que là, avec la, avec ça, eh ben, je vais pouvoir m'arrêter où je veux exactement. Faut juste bien que tu comprennes qu'il y a un sens pour mettre ton Teflon ou là, le petit truc de Griffon. Je te mettrai un lien si tu veux lâcher, c'est pareil, t'achètes ça, t'en as pour toute ta vie de plomberie. Je te montre ici. Que quand on va aller visser, c'est comme un bouchon de bouteille, hein, tu vises tout le temps dans le même sens, ok? Donc tu visses comme ça, ok? Et tout simplement, bah, il faut que ta coupe de truc, elle s'arrête dans le sens où en vissant, ça va compresser ton morceau, tu vois? Si tu le mets dans l'autre sens, en vissant, ça va le défaire. Donc c'est pas ce qu'on veut, évidemment. Donc il faut que, quand je coupe à la fin, ça soit dans ce sens-là. Donc je me coupe un bout, faut pas en mettre trop non plus, parce qu'après tu pinailles à visser, hein, ok? Et donc je te disais, il faut qu'à la fin ça se finisse comme ça. Donc je l'enroule dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Donc ça ou le Teflon, c'est pareil, ok? Je l'entournicote, je le serre bien, tu vois. Tac, tac, ça sert à rien d'en mettre 12 000 tours. À la fin, l'endroit où je l'ai craqué ici, tu vois bien que quand je vais visser, ça va le mettre dans le sens du truc, ok? Donc là c'est bon, je peux le mettre maintenant papa dans maman, ça je pense que tu sais le faire. Oh, bien sûr. Hein. Voilà, c'est pris. Donc là, je le fais tourner à la main. Tu sens que comme il y a une surépaisseur avec le truc que tu as mis, ça devient de plus en plus dur. Là, je vais pouvoir régler, mettre ma sortie où je veux, tu vois. C'est l'avantage de ce truc-là. Et à la fin, tu devras finir avec un petit coup de clé, tu vois. Et là, c'est terminé, tu vois. Mon raccord, normalement, doit être étanche. Voilà, faut pas paniquer, il n'y a rien de sorcier. Je t'en reparlerai, on va en faire au fur et à mesure dans la finition de la plomberie. Là, c'est parce que j'étais dessus et je pense à te dire 2-3 trucs. Donc je t'ai pris en main, je t'ai dit ça. Je t'embrasse, moi je continue toute mon isolation de murs et de laine de bois. C'est des choses que tu as déjà vues. Si je vais te montrer, il y a le receveur maintenant qu'il est fixé, collé. Il est totalement étanche, donc je l'ai raccordé à la flotte et ça fonctionne bien. Et je vais le couvrir jusqu'à la fin du chantier avec un scotch et une bâche pour le protéger. À toute. I could feel the
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Coucou les amis, on change un petit peu de sujet. Aujourd'hui, je vais installer la VMC dans la maison. Et en toute objectivité, la maison, elle en a vraiment besoin, je te jure. Parce que déjà, elle est de plus en plus étanche. Et c'est des vieilles maisons. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de vide sanitaire, il n'y a pas de cave. Et les murs, ils font mèche, tu vois. Donc, tu as toujours de l'humidité qui revient. VMC, c'est un monde... Il y a de tout, c'est très... Waouh ! Tu vas halluciner si tu cherches sur Internet, parce que moi, j'ai cherché. En gros, il y a la VMC simple flux, c'est ce que j'ai choisi. Ça a l'air beaucoup plus simple. Et la double flux, qui, à moi, me paraissait compliqué à installer, ok ? Simple flux, donc, elle est ici. Je te la montre, tu vas voir le mécanisme à l'intérieur. C'est vraiment très, très simple. En gros, tu as une grosse turbine et des raccords que tu mets, que tu vas aller chercher dans plusieurs pièces, soit des pièces d'eau, soit le cellier, soit la cuisine. Ça passe dans la turbine et ça s'en va dehors, ok ? Donc, ça tire l'air de dehors. Donc il ne faut pas que ta maison soit trop étanche, bien sûr, sinon il faut créer des ouvertures. Et ça assainit le truc. Ce qui est intéressant pour moi, et peut-être pour toi aussi, c'est la consommation électrique de cette machine. Sachant que c'est une machine qui va tourner en permanence toute l'année. Donc c'est une dépense fixe, ce que moi je déteste. J'ai cherché beaucoup, il y a de tout et de rien, de tous les prix. Hein, ça va de 100 balles à celle-là, à peu près 300 balles. Tu la trouveras chez Maxouti. Je te rappelle que chez Maxouti, il y a un petit code promo, Copo Max, je crois. De toute façon, je te mets tout en description. Et ça fait toujours plaisir. Merci à eux. Et donc, ce que je te disais, c'est que tu as des moteurs qui sont beaucoup plus économiques que d'autres. L'unité de mesure, je ne sais pas à quoi elle correspond exactement. Mais en tous les cas, c'est la même sur toutes les VMC. Donc, tu vas pouvoir la comparer tout simplement avec un simple chiffre. Okay, il l'appelle THC. Rien à voir avec le tétrahydrocannabinol. C'est la consommation. Et ici, elle est à 12. C'est vraiment la plus basse que j'ai trouvée. Ça veut dire qu'elle est ultra économique, t'en as qui sont à 20, 25, 30, 40. Donc tu vois, ça va du simple, double au triple. Pour moi, c'était le plus important, c'était qu'elle consomme, que le moteur soit ultra moderne et qu'il consomme pas beaucoup. En gros, elle se régule toute seule avec l'hygrométrie de la maison. Ça veut dire qu'elle va passer de la petite vitesse à la grosse vitesse toute seule quand elle aura besoin. C'est très très simple. Tu veux que je te montre comment ça se présente? Si, info que je veux te donner aussi, c'est important d'utiliser de la gaine isolée. Tu vas avoir tendance à vouloir pas en acheter parce que c'est plus cher. Je pense que c'est indispensable parce que comme c'est de l'air tiède de ta maison qui va être tiré, et moi ça va passer dans les combles dehors où c'est pas du tout isolé, donc ça peut passer dans un air très froid l'hiver, et bien tu vas avoir de la condensation. Et avec le temps, ça va pourrir, ça va pas être top. Donc je te conseille, ça coûte 30 balles le petit boudin comme ça. Il y a trois diamètres différents parce que là on a du 80, du 125 pour la cuisine et la sortie pour l'extérieur. Ici c'est du 160. Sinon c'est vraiment pas sorcier du tout, il n'y a pas plus simple que ce truc là. Tu as tes bouches de sortie, tu vas voir, enfin, pour aller prendre l'air dans ta maison. Donc celles-là, elles ont un petit capteur de présence, mais ça peut être des trucs tout simples, c'est pareil. Celle-ci, elle est plus grosse pour la cuisine. Ensuite, tu as des petits raccords que tu mets, et à l'intérieur, sinon, tu as juste un boîtier. On va voir ça ensemble. Par contre, ça se passe là-haut dans les combles, c'est pas évident de filmer, mais je fais de mon mieux pour toi, je t'emmène, et on va voir. Donc là, j'ai mes gaines isolées, ok? Ça, je vais les emmener là-haut. Donc à l'intérieur du carton, je te l'ai dit, là, celle-là, elle est livrée avec trois bouches. Donc 2 de 80, toilettes, salle de bain ou cellier par exemple. Et une plus grosse ici, moi, que je vais mettre dans la cuisine. Ensuite, tu as les petits raccords qu'ils appellent Twist & Go, qui sont ultra simples à visser, et des obturateurs. Et ça, ça doit être le raccord pour la sortie totale. C'est vraiment pas sorcier, donc tu as deux façons de la fixer. Hop, et après, tu as vu, dans le carton, il n'y a plus rien. Soit tu peux la fixer avec des chevilles au mur, sachant que c'est un truc qui tombe, donc tu auras toujours une petite vibration, je pense. L'idéal, c'est de la suspendre avec ces petites cordelettes que tu as là, en l'air, et comme ça, tu n'auras vraiment aucun bruit. Oui, parce qu'en plus d'être économique, elle est silencieuse. Donc tu vois, dedans, tu as une méga turbine, et une sortie, et tout le reste est aspiré par ces orifices-là que tu vas pouvoir moduler et boucher. Donc là, ici, tu mets, ça c'est la 125, tu vois, tu la mets dedans. Ensuite, ça c'était 80, j'en ai recommandé une en plus, tu vois, il va m'en manquer une, que tu mets à peu près où tu veux, et celle que tu n'utilises pas, tu les bouches. Tu vois, il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Tu veux en rajouter, tu peux. Tu veux en boucher, tu peux. Tout ça, je le suspends en l'air. Je raccorde mes gaines, l'intérieur de la gaine en plastique qui n'est pas isolé. Eux, ils mettent soit des colliers, mais moi, je vais utiliser mon petit scotch qui est nickel là, en alu. Ensuite, tu fais le trou adapté à ta sortie pour mettre dans la maison, donc dans ton placo. Moi, j'ai juste à traverser le placo et la brique qui est au-dessus. Je fais sortir ma gaine, je raccorde ma gaine ici,
je la mets dans le trou, c'est terminé. Les amis, tu vois, le tuyau de 150 isolé est passé. Il me manque un petit bout pour raccorder là-bas. Mais bon, ça, c'est la vie. Il manque toujours un petit bout pour faire un petit bout. Maintenant, je vais te montrer les bouches qui sont vendues avec la VMC. Donc là, il y en a trois. Ok, tu as trois modèles différents. Le gros ici en 125. Donc, ça, c'est un modèle hygrostatique. Enfin, bref, il va capter l'humidité dans l'air. Et il y a un petit volet ici qui va ouvrir plus ou moins. Donc là, c'est tout simple. Il y a juste une petite pile à mettre dedans. Et tu peux changer facilement, et regarde, ça, ça reste tout le temps dedans, et maintenant, j'ai juste à le mettre comme ça. Ok? T'as vu, c'est merveilleux, c'est magique, c'est magnifique. Tu as la même ici pour la salle de bain, donc même technique, petite pile, capteur hygrométrique qui va faire varier le volet à l'intérieur. Pareil, je le mets dans la salle de bain. Et tu as le troisième pour les toilettes, qui lui est un peu différent. Je pense que tu vas le voir ici, il a un petit capteur de présence, donc il va juste capter quand tu ouvriras la porte, et tu vas aller faire des choses dans les toilettes. On ne sait pas ce que tu vas y faire, mais parfois... ça peut sentir un peu le raton, et bien lui, il va ouvrir le volet et il va faire péter la VMC avec une tempo. Moi, j'ai besoin d'une quatrième bouche, donc tu peux les acheter à part. En général, tu achètes le Twist & Go, le petit truc bleu là, en plastique tout simple, que tu clips sur ta VMC, un peu de gaine et ta bouche, ta sortie, soit normale, ouverte tout le temps, ça coûte 5 balles, soit un peu plus technique avec un capteur électronique dedans ou un détecteur de présence. À toi de voir. Je finis les petits raccords, tu vois, je l'ai déjà branché, elle fait pas de bruit, elle tourne, c'est nickel, vraiment. Je l'ai raccordé à mon tableau. Et puis quand c'est vraiment tout bien fini en haut, je t'emmène, change l'objectif, je mets le grand angle et je t'emmène voir à quoi ça ressemble. Alors attends, j'ai des infos qu'on m'a données hier par les très chouettes amis de Instagram. Tu peux aller voir la page Instagram aussi, c'est là-bas que tu suivras beaucoup de chantiers de l'extrême. Celle-là, elle a un détecteur de présence et elle marche à pile. Ça veut dire que là, j'ai mis la pile, tu vois, dedans tu trouves... un tout petit texte d'information comme ça. Et donc, en fait, quand tu vas rentrer dans les toilettes, la bouche, elle va s'ouvrir mécaniquement. Et il y a une temporisation de 30 minutes, ok? Donc, tu vas faire ce que tu as à faire dans les toilettes. Et elle, elle va dégager l'air malsain et malfaisant des toilettes pendant 30 minutes. Ensuite, les deux autres, donc je te parle de celles qui sont livrées avec la VMC, hein, tu peux bien sûr en acheter d'autres en plus. Les deux autres, c'est des hygrométriques. Donc, elles s'ouvrent et elles se ferment automatiquement toutes seules, mais sans pile. En fait, à l'intérieur, ici, regarde... t'as une petite lame en plastique, enfin, ou dans un matériau quelconque, qui va, selon l'humidité, se raidir ou pas, et donc actionner le volet qui est ici, tu vois, à l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de pile, elle s'ouvre, elle se ferme, celle-là, c'est pour la salle de bain, d'accord. Et la troisième qui est ici, qui est pour la cuisine, elle a une pile, celle-là, mais c'est optionnel, c'est pour actionner ton interrupteur, si tu veux en mettre un, ok. Sinon, c'est pareil, elle a le même système de lame ici, qui va ouvrir... et fermer son volet. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. Moi, il me reste à aller finir d'isoler à la main le petit tuyau de 160 parce que j'avais pas trouvé de gaine isolante. Donc c'est facile, tu peux l'entourer avec de la laine de verre et je vais mettre du scotch et ça va être bon et ça va être beau et je vais te montrer le résultat final de tout ça. En tous les cas, là, ça fonctionne, ça tourne et ça fait vraiment plaisir. We'll be right back.
Alors les amis, je reviendrai sur la VMC un peu plus tard. Quand j'aurai bricolé là-haut, je te montrerai le résultat final. Tu m'as vu faire des trous et du scellement chimique. C'est un peu magique, le scellement chimique, c'est comme la team Popo. Ça te permet de sceller des trucs dans la maçonnerie qui vont vraiment être ultra solides pour la suite et c'est vraiment cool. Ici, c'est tout simple, j'ai pensé chez moi, avant de finir mon OSB et tout, c'est pour aller venir accrocher mon chauffe-eau, tu vois, donc j'ai déchiré le gabarit, vu que je l'avais déjà acheté, c'est un ultra plat. C'est la première fois que je mets ça, mais on verra ça ensemble. Donc en tous les cas, voilà, je vais laisser des petits trous dans mon OSB et j'aurai 4 fixations ultra solides. Est-ce que tu m'as vu percer dans le mur tout à l'heure vers la cuisine avec de l'enduit? Ça va être une réservation pour mettre un gros plateau de bois massif qui va être comme suspendu, rentré dans les tiges fuitées avec du scellement chimique aussi. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je te la mets ici, tu peux cliquer si tu veux, et impatient. Et sinon, tu verras ça dans l'aménagement du bois et de la cuisine, ça va être vraiment sympa. Ce que je vais pouvoir faire dans cette maison, mais j'anticipe un tout petit peu. Cette colonne ici que tu m'as vu mettre à l'instant juste avant, pour l'instant je l'ai pas collé. Je vais, en fait cet endroit là il va rester ouvert, c'est vraiment ici le bâti support, un super WC Geberit que je vais mettre. Et je verrai plus tard exactement comment ça se positionne. En attendant, je sais que ma colonne ici, elle va aller rejoindre l'autre là-haut et trouver un évent sur le faîtage de la maison. Ici, je voudrais te refaire un tout petit focus sur la plomberie. J'ai emmené ma grosse caisse de plomberie qui pèse un âne mort. Tu vois, donc moi à l'époque, j'avais repéré diamètre 12, diamètre 16 et ensuite tous les raccords qui vont avec. Ici, diamètre 12, diamètre 7 et après, j'avais mis les différentes tailles, mâle, femelle, des raccords. Il se trouve que maintenant, j'ai simplifié la chose et que j'utilise que du diamètre 16, ok, je te conseille de faire pareil, même si tu as plusieurs recommandations dans une maison, c'est plus simple de simplifier les choses à soi-même. Ici, tu vois ma nourrice d'eau froide, hop, c'est quand même des petites choses importantes, donc je te les montre. Tu vois que je ne l'ai pas mise super belle, droite ou perpendiculaire ou horizontalement, parce que j'ai des tuyaux qui arrivent dans les deux sens. Tu vois, j'ai tout cela là, que j'ai réussi à ficeler ici, et je savais qu'ils arrivaient dans le mauvais sens pour se raccorder, donc c'est pour ça que je l'avais laissé un peu comme je peux, tu vois. Et là, je vois que je vais pouvoir tous les raccorder en la remontant un petit peu la nourrice. Tout cela, c'est facile, ils arrivent dans le bon sens. Je vais pouvoir les raccorder ici. Donc ça, c'est ma nourrice d'eau froide. Elle va distribuer tous les robinets d'eau froide de la maison. Et je vais étiqueter chaque tube de PER qui va être raccordé ici. Ici, donc, on va être sur des raccords à glissement pro 16 mâle femelle. Donc moi, c'est les femelles qu'il me faut. Donc c'est ceux-là, 15-21. 15-21, c'est le truc super standard qu'il y a ici, que tu vas utiliser quasiment dans toute ta maison. Et donc ici, on voit que le filetage qui est femelle ici, tu vois, il n'est pas très profond, il n'est pas très large. Donc, il va venir écraser la partie mâle qu'il y a ici assez facilement et on va pouvoir y mettre un joint, tout simplement. Un joint de 15-21 qui est ici. Des joints pro dont je t'ai parlé, pareil, ils sont un peu plus épais. Donc là, le joint pro, il vient se poser sur la partie mâle ici et la partie femelle, elle va venir écraser le joint contre la partie mâle, et donc ce sera étanche, ok. Donc là, t'as pas besoin de filasse, pas besoin de tesselon, pas besoin de trucs comme ça, c'est le plus simple. Tu passes ta bague ici, sinon ici le tuyau, tu pourras plus l'agrandir après, et ensuite ça, tu le passes ici, dans ton raccord, tu vois, et donc c'est bel et bien cette partie plate ici, là, que tu vois, elle va venir écraser le joint ici, quand on va visser, tu vois, comme ça. Et là, c'est étanche à 100%, c'est sûr. Tu n'as pas tracassé de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Je l'écarte ou je le chauffe, mais faut pas. Je le rentre dedans. Je le sertis avec ma pince à glissement, là. Je le force à aller dessus. Et ensuite, après, je le laisse ça. Il est libre après, tu vois, il va être libre. Après, je peux visser sans forcément faire tourner mon tuyau, ce qui est affreux. Et j'ai juste à serrer le joint. Et c'est terminé. Donc, on va les raccorder, on va dire celui-là. Donc, je le recoupe propre. Donc dans la mallette, tu as ce petit truc pour agrandir le tuyau et la pince toute simple dans laquelle tu peux venir glisser ce dont tu as besoin. Donc là, moi ici, je vais avoir besoin de cette pièce-là qui vient pousser à l'intérieur, tu vois, exprès, et de la bague simple de 16. Donc ici, j'agrandis un peu le trou. Voilà. Ensuite, je vais y mettre le truc dedans sans oublier de mettre ça. C'est juste ça qui est un peu dur à rentrer, tu vois, où tu peux te faire un peu éventuellement mal au doigt. Donc il paraît, on m'a dit la semaine dernière, qu'il ne faut pas vraiment aller au bout du tuyau contre le raccord. Voilà, donc, tu vois, le truc, tu peux le visser, il est fou, il est libre, ok. J'ouvre un peu ma pince, tac. Je vais mettre ici la partie qui va rentrer dedans. Je vais mettre ici la bague
qui va venir pousser ça. Tu vois, c'est un truc de droitier, hein, bien sûr, moi je suis gaucher, ça marche pareil. Ça force la bague à aller sur le tuyau. La bague est dessus. La vis est toujours folle, donc je peux la tourner sans faire tourner mon tuyau. Ici, je viens y mettre un petit joint de 15-21. 15-21, c'est la moyenne, c'est le standard. Ici, tu as plus gros 20-27 et tu vas avoir du 12-17 pour ton toilette, c'est tout. Donc tu mets bien ton joint. Voilà, c'est bon, c'est mordu. Tu serres un peu. Là, c'est terminé. Je t'assure que mon raccord ici, il est étanche. Je pourrais le mettre en eau, bien sûr, je vais pas le mettre parce que, eh ben, il est tout simplement, il est pas raccordé de l'autre côté, donc si j'ouvre, ça va jaillir de l'eau. Je raccorde tout ça, je mets des petites étiquettes et je te montre. Point de dévotion quand même les amis, parce que je viens de finir d'isoler le dernier mur extérieur de la maison, tu vois. Et tout à l'heure j'ai fait un tour dedans, j'ai fait un tour à l'intérieur, j'en ai parlé aussi sur Instagram. Et je trouve ça absolument dingue le travail qui a été fait ici dans cette maison et l'avancée qu'il y a. Et franchement je tiens le bon bout. Donc petite pointe d'émotion que je partage avec toi. Je sais pas si tu la ressens à travers l'écran, mais je te jure que c'est là. Donc ici je pense que tu le vois maintenant, on est exactement dans la douche avec du placo hydro qui vient ici sur 1 mètre, et donc il y aura pareil ici sur la cloison, ok. Et ici, on va avoir une paroi en verre, et puis tout l'intérieur de la douche va être carrelé. Ensuite, ici, on va avoir du parement de bois, très certainement un bois que je vais trouver exotique, qui résiste bien à l'humidité, et ça va donner une petite ambiance vraiment sexy romantique. Il me reste le mur qui est là-bas, où je vais faire un petit peu de placo, et là-bas aussi, parce que comme ça, j'ai quelques câbles à passer derrière. Et après, ce sera vraiment terminé. Je vais pouvoir m'occuper bientôt des sols. Mais ce sera dans la prochaine vidéo. Pourquoi j'ai rajouté de la colle? Je pense que tu te demandes, avant que tu me le dises dans les commentaires, avant de mettre mon placo ici. Tout simplement parce qu'ici, on est sur du placo de 9 mm. Donc, c'est pas très épais au niveau de la prise des vis, tu vois. J'ai pas envie que ça bouge. Donc, un petit coup de colle PU qui peut le bien, peut le mal. C'est un nouveau proverbe que je viens d'inventer. En tous les cas, ceinture bretelle, ça, tu connais. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc, je te dis après, produit d'étanchéité, faïence et ce sera ok. Je finis une petite bricole et on va peut-être passer sur un autre module. Je vais te montrer. Ça va se passer à l'extérieur de la maison s'il fait beau. Sinon, ce sera autre chose. Et je t'embrasse, on continue. Comment ça va les amis? Je suis sur les deux petits murs ici. Le mur ici qui est dans le cellier et le mur ici qui est dans la salle de bain. La salle de bain, on y revient tout à l'heure. Je te montre les raccords pour sortir les PER qui sont beaucoup mieux que ceux que je t'ai montré dans la vidéo d'avant. Et là, juste ça, je te filme pas, c'est du placo style, tu retrouves ça dans les vidéos juste avant. Tu as la playlist du chantier d'extrême ici, tu as toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Quand je t'ai montré une technique, je te la remontre pas une deuxième fois. Juste, je te dis qu'ici, je vais remettre un petit peu de laine de verre. D'abord pour le phonique, je t'en ai parlé plusieurs fois, sinon quand tu tapes sur le placo, ça fait vraiment un bruit dégueulasse. Et ça, c'est un mur de refend. Et les murs de refend, ça peut être utile de les isoler aussi. C'est les vrais ponts thermiques dans une maison. Les vrais ponts thermiques, c'est pas les petits trous que tu as dans ta laine de verre, tu vois. Oublie ces trucs-là. Les vrais ponts thermiques, ce sont les murs de refend que tu as dans ta maison. Je t'explique. Donc ça, c'est ta maison. Et moi, comme j'isole par l'intérieur... Donc ici, ce sont les murs de refend, ce sont les murs à l'intérieur qui tiennent ta maison, tu vois. Par exemple, ta charpente, c'est les murs intérieurs, en fait. Et donc, moi, ici, j'isole les murs extérieurs. Comme ça, 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 comme ça. OK, donc tout ça, c'est rempli de laine de bois. Donc, c'est parfaitement isolé. T'es d'accord avec ça? Et là, tu peux remarquer ici que ce mur-là et celui-là, eh bien, il n'a pas d'isolant ici. Voilà. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un vrai pont thermique, OK? Ça veut dire que là, tu as du froid
qui va rentrer par ce mur-là. Alors franchement, dans la maison qui est ici, les volumes sont minuscules. Ça va vraiment poser aucun problème niveau chaleur. J'ai tout à fait confiance, cette maison va être bien chauffée. Le seul truc que je voulais te montrer, c'était ça. Donc la seule solution pour éviter ça, c'est d'isoler, non pas par l'intérieur, mais par l'extérieur de ta maison. Comme ça. De cette façon-là, tu n'as plus de pont thermique. Et maintenant, dans les constructions neuves, ils imposent ici d'isoler cette partie-là avant de faire le mur de refond. Voilà, c'était juste pour info et pour te dire que si je mets un petit peu de laine de verre, ça y fera pas de mal. J'en ai racheté, j'avance tout ça calmement, tranquillement. Ici, j'ai un petit câble qui traîne et je vais lui faire traverser le mur pour aller mettre une prise murale encastrée de l'autre côté. Sauf que là, on n'est pas dans de la doublure, on est sur de la maçonnerie pure, donc je vais te montrer comment on va faire. Exemple, tu vois cette prise-là, elle est incrustée dans la maçonnerie et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va utiliser le magnifique perforateur à batterie Bosch Professional, il est ici. Avec une scie cloche, une scie trépant. Ça c'est des ultra cuts, de toute façon je te mets les liens dans la description, c'est Fischer qui fabrique ça, ok? Et là je vais venir découper à l'intérieur de la maçonnerie une certaine profondeur, la profondeur de ma boîte encastrée qui est là-bas, donc je vais mettre un petit scotch. Je vais tracer ici, je vais commencer par ça, faire mes trois trous, si c'est une triple prise ou une simple. Ensuite, je vais casser ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite seulement, je vais traverser de ce côté-là vers l'autre côté, et surtout pas dans l'autre sens. Ta vis pas de percer comme ça pour aller là-bas, sinon tu vas faire un choufignon, ce qu'on appelle, ok? Un chou-fleur dans ton enduit, et ça on veut pas. Bref, je te montre ça en image, ce sera plus simple pour toi. Ok, coucou, donc là j'en suis à mon raccordement, enfin pas mon raccordement, mais je vais poser la plaque où va y avoir mon meuble de salle de bain. Donc là j'ai mon petit trou, ma petite sortie, ok, et là j'ai mes deux petits tuyaux de PER. Et Eratum, sur la dernière vidéo, celle qui est il y a 15 jours, juste avant, l'épisode juste avant, où je te conseillais des raccords qui sont bien, mais franchement, cette marque-là, je bosse pas avec eux, hein, c'est juste que j'ai essayé l'autre marque, elle est 1,5 milliard de fois plus, tu vois, il y a le niveau 1 et le niveau 1,5 milliard. Encore plus facile, encore plus sexy. C'est le même prix, 1 euro de différence, je crois. Et la finition est plus jolie. C'est ce que j'ai fait juste là-bas sur le robinet, mais bon, là, tu le vois pas, de la machine à laver. C'est là que je me suis rendu compte que c'était 10 fois mieux. T'as le petit gabarit de perçage à l'intérieur. Bon, ça, à la limite, tu t'en fous, tu les mets un peu où tu veux. Mais surtout, tu perces un gros trou de 67. Donc 67, c'est la taille ultra standard. Hop, celle-là pour les emboîtements de boîtes d'électricité. Tu vois, si t'as pas ça sur ton chantier, c'est même pas la peine d'exister. C'est le plus standard de tes trous de prise, ok? Donc tu perces un trou à 67, tu raccordes ton truc, et ça, ça rentre beaucoup plus facilement dedans. Ensuite, tu serres avec tes vis, ça vient serrer le placo. Là-bas, c'était de l'OSB, mais avec le placo, c'est pareil. Tu mets ton raccord, et surtout, à la fin, regarde, t'as même une petite plaque de finition comme ça. Ça te fait un truc sexy, romantique, 10 fois plus beau que l'autre, et plus facile à mettre, je te jure que c'est vrai. Allez, c'est parti, on le pose. Tu dois te demander ce que je fais avec ces petits bouts de bois et qu'est-ce que je bricole. Et bah figure-toi que moi aussi parfois je ne sais pas ce que je fais. Mais là je fais des cache-moineaux, regarde. Là pour le dessous des chevrons, tu vois, pour faire un habillage. À la base les chevrons, ils sont juste comme ça là-bas, tu vois. Et là moi je vais les habiller
avec du bois. Alors, ce bois, il est là, je te le montre. On appelle ça du contreplaqué filmé, du CP filmé. C'est un bois qui est fait pour aller à l'extérieur. Il est protégé et en général, on fait soit du coffrage, soit des remorques, tout un tas de trucs avec ce genre de bois. Ça vaut pas très cher, ça dépend. Il y a plusieurs qualités. Là, c'est pas une qualité de ouf. Mais tu vois que je me suis découpé des petites lames de bois. J'ai fait un petit chanfrein ici pour que ça fasse propre. J'ai créé un petit décrochement, tu vois, là. Pour qu'on ne voit pas la lame de bois ici. Mes tasseaux, je les ai fixés par l'intérieur pour pas qu'il y ait de vis. Et bien sûr, pour finir, j'ai fait un trou pour mettre un spot avec une LED à chaque fois. Donc voilà comment ça se passe. J'arrive ici, j'ai tracé un petit coup de cordeau que tu vois là, sur lequel je viens visser un tasseau avec des tapes vis. Ensuite, ici, je vais venir y mettre une vis dans le tasseau. Ensuite, ici, je viens fixer avec une grande vis dans le chevron. Et tout ça, c'est bien solide. Je les accorde les uns avec les autres. Je fais toute la longueur comme ça. Je passe un câble à chaque fois. Et à la fin, ça fait que tu vois, bah, tu ne verras rien. Juste un petit bandeau noir avec une petite casquette ici. Et derrière, tu as l'habillage. Allez, c'est parti, je continue. Je me retrouve encore à quatre pattes là en train de mettre des suspentes. C'est affreux, je te jure. C'était pas du tout prévu, mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, c'est la fin de la vidéo, je te le dis. T'as vu beaucoup, beaucoup de trucs cette semaine. Et j'ai fini mes murs en bas avec la laine de bois. Et il me reste un petit peu de laine de bois. Du coup, j'ai largement de quoi isoler une petite partie en plus ici. Et ça va faire une pièce un peu plus grande. Mais il va falloir que je ruse et que j'use de génie. Parce qu'ici, c'était pas du tout prévu dans mes plans. C'est une adaptation que j'isole ici. Ce qui fait que j'ai des câbles qui courent partout par terre. J'ai pas prévu de prise, j'ai pas prévu de lumière. Donc voilà, encore un défi pour moi, mais ça fait un petit espace pour mettre un lit qui est quand même sympa à récupérer. On verra ça plus tard. Je t'emmène faire un petit tour de tout ce qui a été fait cette semaine. C'est parti, on y va tout de suite. Allez, viens. Alors déjà, on va commencer un petit peu par ce VMC. Tu vois, il y a du tuyau comme ça, isolé, enfin de la gaine plus exactement, un peu partout. Ici, c'est encore un peu le bordel dans les combles. Hein. C'est normal, il faut que je finisse tout ça et après, je vais tout balancer de l'isolant à la fin ici. Donc, cette fameuse VMC, elle est juste ici, regarde. Au final, c'est vraiment un vrai jeu d'enfant. Même mon fils aurait pu le faire. T'as juste tes tuyaux que tu dois racheter. Donc, en plus, tes gaines isolées à raccorder à ta VMC. C'est important qu'ils soient isolés parce qu'en bas, tu vas avoir de l'air chauffé à 20 degrés. Je ne sais pas comment tu vas chauffer l'hiver. Et tu vas arriver ici, dans les combles, avec un air qui peut être à moins 10 degrés. Enfin, des températures très froides. Et du coup, choc de température, condensation. Et tu peux avoir des fluides, de l'eau qui se créent. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc je l'ai relevé un petit peu pour qu'elle soit le plus haut possible et que tous mes tuyaux aillent vers le bas. Ça tu vois, c'est le seul gain que j'avais pas d'isolé, donc que j'ai isolé moi-même, j'ai enroulé de la laine de verre autour et du scotch. Tout ça c'est ok, ça fonctionne et elle est vraiment pas mal cette petite VMC. Donc je suis très content, j'ai appris plein de trucs dessus et que j'ai découvert en même temps que je l'ai posé. Du coup, on s'en retourne en bas, que je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Ici pas grand chose, mais je prépare les sols là pour le ragréage.
Je vais te parler de tout ça, c'est vraiment très important et ça va se passer dans 15 jours, très exactement. La plupart des choses qui ont été faites, il y a ça que t'as pas vu, que je t'ai pas filmé. J'ai fait un petit coffrage ici. Tu vois ici, j'avais un problème avec mon mur de refend qui était plus bas vu que j'avais rehaussé ici. Et c'était pas beau, il y en a pas mal qui se demandaient comment j'allais l'habiller. Bah tu vois, j'ai fait un petit caisson, un petit coffrage en placo tout simplement. Je vais mettre des petites LED en dessous, des petits spots et un petit interrupteur ici, dynamable, sachant qu'ici ce sera vraiment un plateau de bureau fixe. Donc ça va être une zone de travail, soit pour tes papiers, pour bricoler, du modélisme, ce que tu veux. Tu pourras régler l'intensité de la lumière et c'est vraiment pas mal. J'ai fait toutes les bandes, hop, ici. Là j'ai déjà deux passes, tu m'as vu les faire un peu. Et les plafonds, ok? Donc je t'explique. J'ai fait ça parce que dans 15 jours on fait les sols. Il va falloir que je nettoie tous les sols, aspirer, petite bombe de mousse autour. Primaire, réagréage, écarlage et tout ça, ça va se faire en une semaine et avec tous les copains qui viennent m'aider. Donc, je voulais que mes plafonds soient un petit peu prêts à vendre pour pas qu'il y ait des patouilles d'enduit qui tombent sur mon carrelage après. C'est pour ça que je me suis précipité à faire les bandes ici. Mais il y en a plein d'autres des bandes à faire, on les fera ensemble et je te jure, je te le promets, que je vais tout détailler, toute ma petite technique à moi, je te la partagerai pour que tu puisses les faire chez toi si tu veux. Ici, il y a une petite prise que j'ai posée parce que l'enduit était fini, puis des fois ça me remonte le moral de faire des trucs finis. C'est très joli, c'est des Suisses qui fabriquent ça, regarde là, c'est en vert ici. C'est vraiment très très sympa. Je te mets un petit lien dans la description, va voir, j'ai même un code promo et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on équipe toute la maison avec ça. Tu vois, il y en a une ici et il y en a une ici. Ça donne vraiment un petit style qui va donner du cachet à la maison. Ensuite, dans ce que tu as vu cette semaine, beaucoup de place, beaucoup de choses qui se sont passées ici, dans la partie la plus technique de la maison. Le cellier avec mes nourrices, donc je suis pas super fier, mais tout ça, il faut imaginer un grand plan de travail ici, ça va être caché, ça va être meublé. Mon chauffe-eau qui est scellé, qui est prêt à être posé. Là, il y a que ici où ça va être un WC suspendu, donc ce sera après que j'habillerai. Là, il y a mon coin douche, OSB, plaqué hydrofuge, bandé aussi, le plafond est bandé aussi ici. Voilà, enfin, il y a deux passes, je viendrai faire la troisième passe cette semaine. Et ici, j'ai mon lavabo, écoulement, PER et beaucoup de choses diverses et variées. Une vidéo du chantier de l'extrême qui se termine comme ça, une fin de semaine de dingue pour moi. J'ai bossé comme un ouf. La vérité, je te l'ai dit, c'est qu'il y a plutôt 7 jours de travail parce que j'étais venu. J'avais un jour ou deux la semaine de rebois de battement. Donc, c'est pour ça que tu as vu beaucoup de choses de fait ici. Je ressors d'une semaine de boulot comme ça. On est vendredi complètement rincé, vidé, mais je me suis éclaté. Et je prends du temps pour vous filmer tout ça. C'est vraiment un plaisir. N'hésite pas à aller dans la description de la vidéo. Il y a toutes les choses que tu veux savoir. En général, elles sont dedans. Tu peux mettre un petit commentaire et pour finir, je sais que tu as été jusqu'au bout de la vidéo et il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très très cool, je te remercie. Et moi, je tiens le coup physiquement, tant que j'y vais, ça va. Il y a Cédric aussi qui est derrière, je pense à toi. Cédric, à mon avis, c'est énormément de boulot, toutes les vidéos que je lui envoie. Et j'aimerais, toi, pouvoir t'identifier si tu laisses un commentaire et que tu as été jusqu'au bout de la vidéo. Lâche un petit big up, Céd, ou bisous, Céd. Ça va lui donner de la force. Ça va me faire plaisir et je vais voir que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va me permettre de t'identifier et ça, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, les sponsors, les marques, tout ça. J'en ai besoin aussi pour avancer. J'ai besoin de vous surtout. Je vous fais un gros bibi. Pouce en l'air. À dans 15 jours, ici, ça va être les seules réflexions totales. La maison, elle va être transformée. Je t'embrasse. Bisous.